aujourd'hui pour les nouvelles vidéos. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur la PS4 encore une fois. Mais aujourd'hui nous allons quand même changer de jeu. On va juste ajuster la caméra. Donc ok. Attends, it is gone. Ok, vous m'entendez mieux là? Ok, j'ai trouvé. Tout va marcher. Ok, ok. On va juste augmenter un petit peu le son du jeu. Ok. Donc comme je disais, aujourd'hui on fait une nouvelle vidéo sur un autre jeu vidéo de la PS4. Donc comme vous voyez en avant, en fait aujourd'hui notre vidéo, c'est un nouveau jeu qu'on essaye. Ben, j'ai déjà un peu essayé pour savoir un peu comment ça marche, mais un principe qu'on va faire ensemble encore une fois. Donc, en fait, le jeu aujourd'hui, c'est ce jeu-là. Donc, c'est un escape game. Donc, en fait, c'est un jeu de Fort Boyard, mais en fait, c'est comme plus un escape game. Donc, avec le père Foura, avec les deux nains, les deux... ben, il y en a juste un, je pense, dans le jeu. Mais vous avez sûrement compris. Donc, en fait, aujourd'hui, ce que nous allons faire, on va faire des épreuves de Fort Boyard en escape game. Donc nous allons faire ça ensemble aujourd'hui, donc comme vous voyez, encore sous forme de live, mais c'est parce que ça va mieux. Donc mais ça fera pas on fera pas une heure aujourd'hui, on fait vraiment juste quelques petites parties. On va voir combien de temps ça va durer, mais on fera pas beaucoup de parties. Donc on va y aller, donc on va aventure. Non, on va aller, on va faire une partie. Comme ça. On va y aller en facile pour la première. Puis on va prendre une courte. Donc, désolé. Donc, un joueur. Donc, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc, nous allons... désolé, je m'assure que le son est correct. Je veux pas qu'il y ait d'erreur dans la vidéo. Ok, donc, nous, notre personnage, on va prendre... on va prendre ce personnage-là. J'ai hâte de commencer. Donc, ok. Donc, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Bienvenue dans, Boyard Party. Dans ce mode de jeu coopératif, vous ferez équipe pour vous emparer du trésor du fort. Il vous faudra réunir trois clés pour ouvrir la porte de la salle du trésor. Mais si vous finissez tous les quatre en prison, la partie sera perdue.
Ok, donc le père Foura a dit... Oh non, c'est même pas la bonne partie. C'est même pas à ça qu'on veut jouer. Laissez faire. C'est même pas ça que je voulais. On veut jouer. On veut pas jouer à un jeu de société. Désolé. Si vous avez aimé ça, ben c'est pas ça que je voulais faire aujourd'hui dans la vidéo. Donc, comme vous avez compris, comme la dernière fois, en fait, c'est une vidéo comme ça, montage un peu. Fait que... Ben, j'en profite pour augmenter encore un peu le son parce que là, je trouve qu'il est pas assez fort. Comme ça, peut-être. Donc, on va aller dans l'aventure, c'est ça? Ben, j'ai mélangé aventure. Puis entraînement. Ok. On va mettre moyen. Courte. Un joueur. On prend le même personnage. Donc, mon prénom, on va mettre... je pense qu'il l'a, mon prénom. Ouais, on va mettre mon prénom. Mon travail. On va mettre mon travail, mon métier de rêve. Comme ça, ça donne plus le goût. Ma passion. Ma passion. Il y a deux choix. Soit que je pourrais mettre le soccer. Ou je peux mettre, je sais pas s'il l'a... on va les faire à la fois. Ok, donc il n'y a aucun des deux, donc on va pouvoir mettre... Pourquoi mettre... Je pense que je vais mettre... On va mettre ça parce qu'en vrai, il n'y a rien. Donc, ok, donc, et voilà mon personnage qui est prêt. Donc, c'est parti pour la partie. Donc, là, c'est la bonne. Donc, j'en suis sûr. La mettre. En fait, aujourd'hui, je t'habille, je fit avec la PS4. Ok. Donc ça c'est mon équipe. Nom d'un scarabée, les candidats. Nom d'un scarabée, les candidats arrivent. Ils pensent pouvoir s'emparer de mon trésor, mais je leur réserve une petite surprise. Chacun d'entre eux va être soumis à différentes épreuves. À chaque victoire, ils recevront une clé. S'ils obtiennent trois clés, ils auront accès à la salle du trésor. Donc en fait, c'est pareil comme dans Fort Boyard, comme vous pouvez voir. C'est pareil, pareil. Mais s'ils pensent pouvoir gagner ces trois clés, ils se fourrent le doigt dans l'œil. On va commencer en beauté avec Grand Boyard Hôtel. Ok, donc c'est parti. On va aller dans un hôtel. Ok. Un peu stressé, mais ça devrait aller. Dès que t'es rentré, tu repères la clé. Bonjour la pression. Tracasse, tu vas gérer. Allez, c'est parti. Ok, donc c'est parti, le Grand Boyard Hôtel. Place toutes les valises dans l'ascenseur de l'autre côté du tourniquet. Donc, attraper main gauche, attraper main droite. Se baisser, sauter, lancer une valise et courir. Donc, on va y aller. Donc, en fait, c'est comprendre ce que ça fait, c'est quoi Fort Boyard. En fait, c'est des épreuves, puis on a un temps, donc un sablier, pour faire l'épreuve. Si on l'a pas, ben, soit qu'on peut rester enfermé si on n'est pas sorti. Si on est sorti, ben, on n'a pas eu la clé. Donc, c'est parti. Donc, attraper my goal. Et attraper. Attendez. Allez, elle est pour toi, s'il te plaît. Ok, c'est parti. Oh non. Ok, ça va baisser, c'est... Oh non. Oh non. Attends, il faut que je m'habitue. Tu veux prendre deux valises à la fois. Oh non. Allez, c'est pas grave, relève-toi. Hey, c'est pas grave, relève-toi.
Bon, on va en mettre une. On va aller chercher l'autre. Attention! Oh non! Je suis pas habituée. Il reste pas beaucoup de temps. Attention! Attention, c'est bientôt fini! Ok. Pourquoi il y va pas? Dépêche toi, là, faut que je sorte. Oh non! Bon. Ben, nous avons pas réussi la première épreuve. Donc là, vu que je ne suis pas sortie en temps, en fait, je suis enfermée. Donc mes coéquipiers devront faire des épreuves pour me sortir de là. Me sortir de là. Ok. Bon. Tant pis, on va faire les prochaines épreuves. Ok, ok, ok. La prochaine épreuve est... Donc là, vous voyez, je suis enfermée, en fait, hein, comme dans une prison, avec un gardien qui a l'air plutôt... je voudrais pas l'affronter, disons. Ok, donc mon équipe court pour aller essayer de me sauver, de me sortir de la prison. Allez, tu vas tout démolir. Ok. Allez, sûr de toi. À chaud, taquet, je reviens, passons cette clé. C'est clair, ça va être du gâteau. Allez, tu vas cartonner. Bon, j'y vais. Ok, la laverie. Appuie sur... les touches au bon moment pour éclater les bulles. Donc en fait, comme vous voyez, c'est comme une roue. Est-ce qu'un hamster pourrait tourner dedans? Mais en fait, ça va être mon personnage. En fait, c'est moi je joue. En fait, moi je joue tous les joueurs, ok. Sauf que mon personnage à moi, il est en prison. Donc, comme il est écrit, si je sors pas au bon moment, je finis en prison. Donc, éclater la bulle de gauche, la bulle de droite et éclater la bulle du milieu. Ça devrait être facile. Il y a juste trois touches. C'est gauche, droite, milieu. Fait que c'est je connais ma gauche, ma droite, ça devrait être facile. Appuie sur les touches au bon moment. Prêt? C'est parti. Allez, go, tu vois la clé? Ok, là, vous voyez les bulles dans le rond qui passent. Faut que je fasse la touche qui est là au bon moment. Si je fais pas au bon moment, il peut tomber. Puis, si je laisse des bulles passer, ben, ça fait plus de mousse dans la laverie. Donc, il va être envahi de mousse à un moment donné. Allez, oh non! Donc, c'est vrai, un jeu facile. C'est même écrit sur la boîte, c'est 10 ans et plus, parce que les enfants peuvent jouer. Genre, c'est facile, en fait, dès que tu sais contrôler une manette de PS4. Mais pour du monde de mon âge, peut-être qu'il y en a qui trouveraient ça un petit peu trop facile. Ou trop plate. Allez, oh non! Ça va beaucoup plus vite, puis il y a beaucoup plus de bulles en fait. Fait que c'est pour ça que c'est plus super, difficile. Continue comme ça. C'est quasiment drôle pour mon personnage se planter. Ok, donc je sais pas si je suis proche de la clé. Est-ce qu'elle peut servir? Donc je suis encore enfermée parce que j'ai pas eu le temps d'appuyer sur le bouton pour abandonner. Parce que j'avais pas compris le principe. Donc là, ça porte pas très bien parce que j'ai deux personnages d'enfermés. Ouais. Donc on parle pas très très bien. Hein. Bon. Mon équipe est très déçue de moi. Mais pas grave, on va pouvoir se reprendre, c'est sûr et certain.
Ah, en plus, enfermé dans la même prison, ce papa, ils peuvent se parler. Allez, se préparer un plan d'évasion. Ok, mon équipe est toujours prête pour me sortir de pour nous sortir de là. Oh, un petit personnage arc-à-flèche. Bonsoir et bienvenue dans la cage. Mister et Lady Boo n'auront aucune compassion pour vous. Les duels seront donc impitoyables. Ok, donc l'impact, frapper la bonne cible avant ton adversaire, appuie plusieurs fois pour accélérer le mouvement. Ok, coup de pied droit, coup de pied du milieu, coup de pied gauche. Ça devrait être simple aussi. Bon, ben j'ai dit ça tantôt, puis on a quand même pas gagné, hein, fait que... Je sais pas si c'est bon. Je c'est peut-être pas nécessaire. En même temps, faut pas oublier qu'on a pris les niveaux moyens, donc c'est peut-être pour ça aussi que c'est un petit peu plus dur. Faut frapper plus vite, mais attention à la fatigue. Allez, c'est parti. Go, go, go. Ok. Ok. Mais là, je suis fatiguée. J'en peux plus. Vas-y, plus que deux. Allez, concentre-toi. Tu peux frapper plus vite en utilisant de l'énergie. Non. Yéhou, on l'est! Vous en aurez besoin. Nous avons gagné. Là, c'est une clé ou ça libère mes coéquipiers, c'est quoi? Oh, oh, oh! Qu'est-ce que mes coéquipiers vont faire? Je vais juste comme baisser le son parce que je pense que vous l'entendez. Un peu stressé, mais ça devrait aller. On a confiance en toi, tu vas l'avoir. Allez, j'y vais. Okay. Courage, ma belle. Un autre épreuve. Excalibur. Retire l'épée de son support puis utilise la pour couper la corde. Ok, donc faire bouger l'épée, puis tirer sur l'épée et frapper sur la corde. Ok, mais celle-là, c'est, d'habitude, c'est la plus difficile dans cette épreuve-là. Donc, ok. Excalibur. Retire l'épée et utilise-la pour couper la corde. Ok, je suis les flèches. Ok, on lâche pas. On l'est presque. 1, 2. 1, 2. Droite. On tire. Ok. Un. On commence. Oh non, c'est pas la bonne place. Je pense que c'est... On lâche pas. Reviens, vite. Oh non. Let's play for sure. C'est correct ou non? Est-ce que j'ai... Oui, j'ai réussi à me libérer. Phew. Sinon toute mon équipe serait partie, hein.
J'aurais plus de personnes pour faire l'épreuve. C'est pas encore aujourd'hui que tu dirigeras le royaume de Bretagne. Oh, eux sont encore là en train d'attendre. Catapulte. Passe dans les anneaux, mais attention aux mouettes. Donc, activez la catapulte. Se déplacer. Hein. Ok, je pense pas que j'ai compris. Pas dans les anneaux, esquive les mouettes. Ok. Ok. Oh non. Ok, je viens de comprendre. J'ai pas l'habitude de juste bouger la manette, d'habitude, c'est les touches que je bouge. Encore perdu. Donc en fait, on en a gagné juste une. C'est quand même compliqué au niveau difficulté moyen. Ça pensait à être capable. Mais... En même temps, je suis pas une pro de la PS4 encore. Certains candidats croupissent dans les geôles du fort. C'est l'heure du jugement. Chaque prisonnier va devoir relever un défi pour tenter de gagner sa liberté. J'ai hâte de les voir à l'œuvre. Ok. C'est la clé de flipper. Avoir la balle dans le trou en utilisant les flippers. Ah, ok. Oh non, j'ai même pas vu les touches. Oh, oups. Oups. Oups, oups, oups. Vous avez trois. Allez-y. Ok. Donc, premier essai. Lancer la balle, le flipper gauche et droite. Ok. C'est quoi, je dois... Ah, faut que je dois l'envoyer là-bas. Pour échapper à la prison. Votre équipe est juste à côté. Elle compte sur vous. Oh! Je l'ai eu. Oh, j'ai gagné pour la suite de l'aventure. Ouhou, ouhou. Très bien joué. T'es le meilleur. Ok. Encore. Labyrinthe. Incline le labyrinthe pour faire tomber la balle dans le trou situé de l'autre côté. Incline le labyrinthe. Fait que c'est encore l'affaire avec les manettes. Oh. Ok, ok, ok. Incline le labyrinthe pour faire tomber la balle dans le trou situé de l'autre côté. Vous avez trois essais. Trois essais. C'est à nous.
Donc on est prêt. Premier essai. Ok. Concentration max. Oh non. Bah oh, il a fallu que je passe par le milieu pour échapper à la prison. Votre équipe est juste. Non, non. Elle compte sur vous. La ça clé va... du succès oh est d'avoir confiance j'ai en juste soi. Juste trois essais. Je crois en vous. Et mon instinct pas de temps. Me trompe rarement. Ouf. Non. C'est la dure loi du corps. Oh non, j'ai perdu encore. J'ai Mister encore Boone, perdu. S'il vous plaît. Oh, mais j'avais libéré un personnage. Oh, retourne en prison. En fait, si mes personnages sont en prison, pour les libérer, il faut qu'ils réussissent l'épreuve. Puis c'est juste mon personnage à moi qui j'ai réussi jamais les épreuves. Oh non, 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 non. Ton, 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 ton. Tous les prisonniers ont eu leur chance de se libérer. Toutes et les... le jugement n'est enfin, pas ils ont encore... tous eu leur chance de se libérer, mais c'est pas encore fini. À présent, ils vont sacrifier leur liberté pour obtenir les clés manquantes, parce que sinon il y a quand même deux clés ceux avec les candidats qu'on a. Jugement, ceux qui échouent, ils devront tenir compagnie à Monsieur Bou dans les geôles. Dans les geôles, la geôle. Bon, fait qu'il faut pas que mes personnages échouent tous, sinon j'en aurais pu. Puis je veux préciser, à ce jeu-là, on peut jouer à 2, à 4. On peut jouer avec le nombre qu'on veut. Mais puis on a juste besoin d'une manette pour jouer. On s'échange la manette. Donc ça peut jouer à multijoueur jusqu'à 4 personnes parce qu'il y a 4 personnes dans l'équipe. Donc si vous avez un frère ou une soeur puis vous devez jouer avec lui absolument, ben, c'est un jeu correct parce que vous prenez une manette, vous l'échangez puis votre personnage fait chacun des épreuves. C'est aléatoire directement avec le jeu. À présent, pour vous libérer... Ok, chemin. Elle cligne le chemin pour faire tomber la balle dans le trou situé de l'autre côté. Fait que c'est la même affaire que tantôt. C'est presque la même affaire que tantôt. Vous avez... trois essais. C'est parti. Ça a l'air un petit peu plus facile. Oh non! Vous n'avez plus je parlerai pas tout de suite, hein, parce qu'il me reste déjà juste deux essais. Ok, il n'y a pas de côté qui m'empêche. Il n'y a pas de côté qui m'empêche. C'est ma dernière essai doucement, Léa. Non! Non! On a perdu, je pense que je perds un joueur encore. Mais c'est aussi loi. Difficile que ça. Mister Boone, pourquoi j'ai pris moyen? Ce serait pas. Nous avons un deuxième candidat pour les prisons. Il me reste seulement deux candidats pour essayer d'avoir les deux dernières clés. C'est pas vrai, il fallait que ça tombe sur moi. Stop, je t'attrape l'espère bleu avant qu'elle ne se brise sur le sol. Bougez la main, attrapez une sphère. Bouger la main, attraper une sphère. Ah! Hein? Oh, ok! Tristan l'avait déjà fait celle-là, pis. Sans la monnaie, dans la vraie vie, je suis capable de le faire, mais avec la monnaie, c'est là que, ça, que je me demande. Votre équipe compte sur vous. C'est important. Non! Pourquoi j'ai joué? Deuxième essai. C'est encore! Échec. La prison. Ou la liberté. Mais comment qu'on fait pour savoir? Concentrez-vous. Oh oui! Phew! Une chance que ma main était déjà là en fait, sinon je l'aurais pas eu. J'étais prête à retourner où est-ce qu'il était tombé deux fois d'avant. Une clé de plus! Une clé, une clé. Tout. Ok, donc les prisonniers. Il y en a un libéré? Passepartout! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est cette histoire, Passepartout? Les candidats ont obtenu assez de clés pour entrer dans la salle du trésor, pour vrai? Oh! Heureusement, il leur reste à résoudre l'énigme du fort. Pour ça, il leur faudra des indices.
Moi, disons que je suis pas très bonne à les énigmes. Fait que surtout que là, je joue tout seul. On va leur proposer 4 épreuves. Chacune leur donnera un indice en cas de victoire. Mais s'ils échouent, pas d'indice. Et sans indice, pas de trésor. Hé hé hé. Ouais, il faudrait l'indice. Ok. Maya, attrape toutes les pièces pour débloquer l'indice. Reprendre son équilibre, puis augmenter la puissance. Ok. Ah! Oh! Oh, pas ça! Attraper toutes les pièces. Reprendre l'équilibre, puis augmenter la puissance. Je l'attrape toutes les pièces. J'ai comme aucune pièce là encore. Sont comme toutes pas très hautes. C'est là très clairement difficile. Comment tu veux que je fasse ça? Genre, on dirait que le personnage, il suit pas mes côtés. Bon, un indice de moins. Comme le personnage. Ok. Quand est difficile le niveau moyen? Ok, Safari, fais le plein d'eau au point vert puis utilise l'eau pour faire remonter l'indice. Ralentir, reculer, accélérer, piste là-haut, tourner. Ok. Oh, c'est trop stressant que vous êtes dans cette épreuve-là. Ok. Ok, on peut repartir. Je suis comme très très concentré. Pas le temps là, le tigre. Ok. Concentre-toi. Ok. J'allais. Faut retourner en chercher. Attention, c'est bientôt fini. Les tics sont dans mes jambes. Le tigre! Va-t'en, le tigre! Parce que le tigre, il m'empêche! Fait que là, j'ai encore aucune épreuve de réussir. Ouais. Ils ont raté l'épreuve! Excellente nouvelle! S'ils avaient passé moins de temps à faire joujou avec les tigres... Allons! On les voit pas, les tigres! Ok, donc il me reste 2 indices que je peux ramasser. Un peu stressé, mais ça devrait aller. Temple maudit, déplace-toi prudemment pour atteindre l'autre côté du parcours. Déplacer la jambe gauche, déplacer la jambe droite.
Phew. Ah non! Il était pas supposé tomber! Il tenait son pied, moi mon pied aurait tenu. Son pied il tient. Je continue à avancer, puis lui, il l'a pas fait avancer. Il tenait son pied. Parce qu'on dirait que le jeu il est pas fait pour écouter la manette au complet. Bon ben il me reste plus qu'un indice, puis après ça sinon faudrait que je trouve c'est quoi le mot sans indice, fait que le hasard. Sinon je pourrais pas aller dans la salle du trésor. Je te jure, j'avais les pieds qui glissaient. Ben ouais, c'est la manette qui est témoin, c'est ça? Certains candidats croupissent dans les geôles du fort. C'est l'heure de la grande évasion. Mais s'ils sont trop lents, ils perdront du temps. Bon, fait que les prisonniers vont pouvoir faire l'évasion, mais s'ils perdent du temps, ils se sortent trop lent. Trouve la sortie de labyrinthe avant que le temps imparti soit écoulé. Se déplacer puis interagir. Ok. Voyons voir si la manette va m'écouter cette fois-ci. Ok. Trouve la sortie du labyrinthe. Ok. Non, ça c'est bloqué. On pourra tourner ici. Non, ça sera pas par là, je pense pas. Ça c'est bloqué. Ok, c'est pas par là. Je pense qu'on retourne. Où est-ce qu'il y a le départ? Ça, c'est un trou. C'est bloqué aussi. Puis c'est aussi. Vraiment perdu. Il me reste 23 secondes. Ça tourne en rond. À part vous dire que je suis vraiment perdu, ben j'ai pas rien à faire puis mon personnage pourra pas s'évader. Ok. Ben, ça fallait que je me fie à ça. Bon. Il est tout de suite prisonnier. Je comprends pas.
Oh, c'est l'heure de l'épreuve du conseil. J'ai hâte de commencer. Je pense que j'ai osé m'évader. Les candidats vont tenter de gagner du temps supplémentaire. J'espère que les maîtres du temps sont en... Ok. Déplacer. Tirer. Ok. Ok. Attention, préparez-vous. Mal du tout. Je peux même pas te dire quand il est trop loin. Oh, vous vous débrouillez bien. Vous avez on a gagné. Plus de points que le maître. Ok. L'aventure touche à sa fin. Et il reste l'énigme du fort. Grâce aux indices récoltés, les candidats, ils peuvent aussi sacrifier du temps en... Voyons s'ils vont trouver. Ok, si on va trouver la solution, donc la réponse à l'indice. Trouve la solution de l'énigme et collecte le plus de points replacés. Ok. C'est parti. Est-ce qu'on va trouver l'énigme et être capable d'aller ramasser l'argent dans la salle du trésor? Ok. Sacrifier du temps pour obtenir un indice. On n'a aucun indice. Amande, chip. Fruits, noix, galets. Moi, je te donne un indice, peut-être. Casse. Ça se casse. Une amande, noix, un coquillage, non? On a beaucoup de temps, fait qu'on peut en prendre. Coco. Moi, j'ai un... Je sais quoi, j'ai pris... J'ai-tu pris une noix? Oh oui! Je l'ai, je pense. Une noix de coco. Ça se casse. Est-ce que je l'ai eu? Oh oui! Allez, allez! On ramasse le plus qu'on peut. Allez, allez, allez! Avant que la porte elle se referme. Ok, allez. Ok. Allez, ça va les porter. Pourquoi ils restent là? Parce que la porte elle se referme. Oups, désolé. Oh non! Oh non, je t'ai enfermé. Oups. Combien ai-je obtenu? 6888 pièces. C'est quand même un bon résultat. Donc la partie est déjà finie, je crois. Ils sont donc parvenus à résoudre l'énigme du fort. L'énigme du fort. Ma foi, je dois m'avouer vaincu. Ce candidat était vraiment doué. Il faudra que je pense à rendre toutes ces épreuves plus difficilement. Il était un petit peu difficile. Vous avez bien mérité ces 6888 boyards. Donc en fait, comme vous pouvez voir, sur... toutes! Ces épreuves-là, j'en ai réussi 3. 4. Un autre 3. Un, 2. Non, 4. J'en ai juste réussi 4. Ça se donne un nouveau moyen, hein, quand même. C'est fini. Oh, ça nous amène à la fin de la vidéo aussi. Ouais, après 45 minutes de vidéo de petits jeux. Ouh. Ouh.
on s'en vient à la fin de la vidéo. Donc, ben oui, on va juste. Attends. Ok. Donc, ben, comme je viens de dire, ça nous mène à la fin de cette vidéo. Donc, j'espère que, comme d'habitude, vous avez aimé ou apprécié la vidéo. C'était une vidéo encore aimée, mais j'ai fait le changement pour vous. On était joué à Fort Boyard. Donc, on vient de faire des épreuves de Fort Boyard. Donc, pas dans la réalité. Donc, malheureusement, c'est pas possible en plus surtout avec la COVID. Mais pas en jeu vidéo. Donc, c'est quand même intéressant. C'est un jeu que j'aime quand même. Mais comme je dis, c'est plus, beaucoup, beaucoup plus pour les jeunes. Genre, c'est pas un jeu qui va intéresser le monde de mon âge. Puis, il faut être de la patience parce que ce jeu-là, il est comme un même petit peu là. Puis pour les premières fois, faut vraiment se prendre les niveaux faciles parce que comme vous avez vu, c'est quand même assez difficile parce que le temps est plus vite puis tout est plus comme difficile. Donc moi j'ai quand même, mais comme j'ai dit, moi j'ai aimé ça, surtout qu'on a ramassé quand même 6888 boyards. Donc comme d'habitude, ben si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, activer la cloche de notification pour qu'il n'y ait aucune de nos nouvelles vidéos. À nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, donc en description, ils seront écrits. Donc TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, notre page Facebook, Léa Réglisse, et Twitch, donc il y a des liens, puis tout est écrit dans la description. Et puis surtout, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, donc c'est simple, vous voyez, il y a un petit rond avec le visage de moi Tristan, vous cliquez dessus, vous faites vous abonner, et c'est fait, et ça me fait très bien plaisir, et ça coûte rien. Et juste à côté, vous voyez le carré, c'est notre dernière vidéo qui a été mise en ligne, donc c'est une vidéo Pokémon, un unboxing de Lego Pokémon, donc mais là je dis ça, mais ça sera peut-être plus ça si vous le regardez dans 3 semaines. Mais bon, donc à ce temps-ci, c'est ça. Donc, je vous dis ciao et on se rejoint très vite pour une prochaine vidéo. Bye!